Mettre une famille dans des boîtes. L'inventorier, la classer, la compartimenter. Une hérésie de l'ordre qui rassure. Images inertes, empilées dans des boîtes fermées, puis les ouvrir, chacune, le moment venu. Me voici sondant le lieu, sondant le temps, là où s'est tarie la voie de la transmission, pour donner au visage un nom, cerner une identité. Je tire le fil. Antoine Cordonnier, Bérénice, ménagère. Un couple qui, à la fin du XIXe siècle, ancre sa vie à Olivèze. Sûrement lorsque l'oncle curé de Bérénice, Don Étienne, officie dans le village voisin de Mocacroche. Antoine est mentionné comme aubergiste au conseil municipal, où il siège depuis 1904. Signe à la fois d'une intégration et d'une ascension sociale qui s'opère sûrement au moment où le couple ouvre l'Hôtel de France. L'Hôtel de France, comme une réassurance de la nation dans les marges. Cette photo, unique trace de l'hôtel, fixe le statut social d'une famille, loin des clichés habituels d'un monde rural corse, figé dans des représentations agro-pastorales. Étienne, mon arrière-grand-père. Ses sœurs, Pierrine et Jeanne, employées dans les postes sur le continent. Son cadet, Joseph. Les enfants, encore célibataires. Mais aussi François, l'aîné, militaire, sa femme Madeleine et leur fils Paul, âgés de 11 ans. Ce sont les membres de la famille, dénombrés chez Antoine et Bérénice lors du recensement de 1906, 9 des 918 habitants d'Olivèze. Échapper à la crise qui frappe alors la société rurale corse. Quitter le village, une famille nombreuse. Revêtir le prestige de l'uniforme, dans une société corse où les figures guerrières sont prégnantes. Je ne sais quelle raison a prévalu dans l'engagement de François. Peut-être un peu toutes. Un nouveau statut, posé dans le cadre de l'intimité. Mise en abîme. Cordonnier comme son père, lorsqu'il se marie à 19 ans, François renonce en 1897 à sa dispense de service militaire comme aîné de 7 enfants et s'engage. Il a 22 ans. Dans le 2e, puis le 13e bataillon d'artillerie à pied, il sert les batteries côtières, que je découvre moi-même en Corse. Bon, il ne reste que la base. Le projecteur était bien sûr sur un pivot, et le projecteur lui-même représente une masse. Je vous ai donné la hauteur de 2,30 m. La lentille du projecteur faisait quand même 1,1 m de diamètre. Donc il y avait 3 personnes qui le poussaient. Et sans beaucoup d'efforts, le projecteur était piloté jusqu'à son emplacement de combat. Alors, nous sommes à l'extrémité de la presqu'île, donc à l'entrée du goulet qui mène au port. Et à cet emplacement-là, il était intéressant, à partir de 1899, d'installer un projecteur pour éclairer de nuit, jusqu'à 4,5 km, les abords du port de Bonifacio, en cas d'arrivée d'un ennemi. À partir du moment où il y a une batterie d'artillerie qui reçoit ses servants, il est évident qu'il faut les entraîner, y compris au tir réel. Or, vous avez juste à côté de la ville, la batterie numéro 2, et c'est du calibre de 19 cm. Quand ça tire, ça fait beaucoup de bruit et de vibrations. Donc systématiquement, la veille, le crieur public passait dans les rues, disant aux habitants, entre telle heure, laissez les fenêtres ouvertes, parce qu'il y aura des écoles à feu. Et les gens exécutaient scrupuleusement sous peine de ne plus avoir de fenêtres. J'imagine François participant à ces écoles à feu, ici ou un temps. Il est en garnison avec Madeleine et Paul. Ici, c'est un débarquement venu de l'autre rive qui est alors craint. D'une Italie, alliée des empires centraux, jeune État rival de la France, qui clame aussi à la fin du XIXe siècle son désir de souveraineté sur les terres hérédantes. Nice, la Savoie, la Corse. Une péninsule mise à distance par la puissance de feu. Brigadier, sous-chef artificier, maréchal des logis chef, François gravit les échelons d'une carrière qui prend fin au 7e régiment d'artillerie à pied. Les marches d'une ascension sociale délivrée par l'image. Je ne peux m'empêcher de penser que la carrière militaire du fils aîné à contribuer au bien-être de la famille, peut-être à l'acquisition du commerce. Il est néanmoins certain qu'il a ouvert une voie à ses cadets. En 1906, à 18 ans, Étienne, tu revêts aussi l'uniforme du 13e bataillon d'artillerie à pied. Prestige de l'armée, gage d'une solde régulière, assurance contre l'exil. Je regarde avec amusement la photo de cette classe indisciplinée. Chacun choisit sa pose, la direction de son regard, le positionnement de ses mains, comme si la photo avait été faite à l'insu du photographe. Toi, Étienne, tu es au centre, le regard en quête d'horizon, sérieux. As-tu étudié cette pose devant un miroir, comme étant la plus digne d'être figée? Moi, je te vois gauche. Les traits de ton visage conservent les marques de l'adolescence. Ta main, agrippée à la boutonnière de l'uniforme, semble t'aider à trouver contenance. Quelques années plus tard, jeune sous-officier du 7e régiment d'artillerie à pied, le nouveau régiment des batteries côtières, les bras croisés avec assurance, tu fixes l'objectif. Je distingue dans tes yeux, peut-être est-ce ta bouche, une pointe de malice. À tes côtés, Joseph, ton cadet de 3 ans, né en mars comme toi, avec lequel parfois même l'on te confond, presque un jumeau. Joseph met ses pas dans les tiens et ceux de François. Maria Cicchina, tu signes ton acte de mariage du prénom de Françoise. Hâtive traduction de ton prénom. La francisation opère, reléguant le choix de tes parents aux confins d'un monde, ton monde, sommé de disparaître. Toi, la fille d'Antoine Toussaint et de Rosine, tous les deux bergers à Olivèze, il te faut entrer dans la famille d'Étienne pour enfin m'apparaître. Cette photo a dû être prise moins d'1 an après ton mariage. Tu as 17 ans. Étienne n'est pas auprès de toi. Il est sûrement en garnison. Te voilà à gauche, la tête encadrée par les barreaux d'une fenêtre. À droite, les jeunes filles, comme Jeanne, la sœur d'Étienne, semblent à l'aise. Elles osent des poses moins convenues. Ta contenance, en revanche, trahit une gêne, comme une méconnaissance du rituel de la pose. Ton bras raidi longe ton corps, comme si tu ne savais quoi en faire. Est-ce que vous reconnaîtriez les lieux, là, puisqu'on voit un canon? On va essayer d'en connaître les lieux. Sur ces deux photos. Alors, logiquement, il devrait s'agir de la batterie d'Aspretto. Les deux photos auraient été prises au même endroit? Les deux photos ont été prises au même endroit, donc batterie de 24 cm d'Aspretto. Oui, avec le parapet en tour de cette forme-là. Et là, c'est sûrement Aspretto, c'est ce sont les bâtiments qui sont en contrebas de la batterie principale et qui existent toujours à l'heure actuelle. Oui, batterie d'Aspretto. Sur cette photo, les membres de la famille deviennent personnages d'une composition ordonnée par le photographe, soucieux d'affecter à chacun sa fonction. À gauche, François et Paul, le père et le fils. Au centre, le couple, Pierrine et Toussaint, son époux, aussi artilleurs. À droite, le groupe des jeunes femmes, dont Jeanne, chacune adoptant une pose différente, des accessoires différents, gants, ombrelles, sacs à main. Je te retrouve, Étienne, allongé, képi blanc sur la tête. Alors que Maria Cicchina est à Olivèze, c'est à Ajaccio, à Aspretto, que tu tiens garnison. Non so mica militare qui, sono piuttosto borghese in vacanze. L'idea che vengo io quando vi giuro su tanto cannone, saienti, incapiddati, incostumati, inchibedi cuneti, è qualcosa di c'è un contrasto stonante. Ma adesso avere qualcosa che hanno voluto trasmettere un'immagine che si è persa nel frattempo, almeno da parte della mia famiglia. Ogni volta che ci sono famiglie che finalmente partono da nuda, da poco, e che salzano qui per via, per esempio, a strada o a carriera militare, è normale che si mettesse un po' un ponte da fare per dire ecco un mezzo che mi trovo per sortene è su mezzo qui. Non so se l'orgoglio sarà piuttosto semplice. Una viertà. Pistiga. Una viertà. O... E forza lì. Ce regard, ce souci de représenter ainsi la famille, est celui de l'absent, du hors-champ. C'est Don Joseph, le plus jeune frère de Bérénice, qui aujourd'hui me permet de découvrir ces instants de vie, la famille, au début du XXe siècle. Je date cette série de photos de 1909. Don Joseph, qui vit alors à Brest, a dû éprouver le désir de faire découvrir à sa troisième épouse, Justine, sa famille et son île. Dans le cadre qu'il compose toujours avec soin à la manière d'un peintre, attentif à la lumière, il joue avec ses personnages, leur attribue un rôle et en dirige le jeu, le regard. T'a-t-il demandé d'ombrer tes yeux, Maria Cicchina ? Je ne sais comment Don Joseph est venu à la photographie, comment il est devenu cet amateur curieux, éclairé, ayant aussi les moyens de pratiquer cette passion. Je sais de lui qu'il est né en 1868 à Caire, dans une famille de laboureurs, petits propriétaires. Sous-officier dans l'infanterie coloniale, son parcours emprunte celui des conquêtes françaises de la Troisième République. Sénégal, Soudan, Cochinchine, résonances exotiques nourrissant un imaginaire colonial. L'armée s'affirme alors dans la famille, comme dans nombre de familles insulaires, incontournable. La maison familiale. Un foulard sur la tête, sûrement Jérômine, selon ses petites filles, l'autre sœur de Don Joseph. Allongé sur le mur, le fils de Don Joseph, François, dit Saïgon, indélébile empreinte coloniale. Io credo che finalmente ciò che noi sappiamo di persone che sono state da nostra famiglia è piuttosto una costruzione che noi ci vediamo e dunque c'è un romanzo da ricostituisce. Certe volte ciò che noi pensiamo di sapere o i nostri ricordi sono fatti giustamente di foto, non so mica in realtà o i passati veri che abbiamo potuto conoscere, sono piuttosto certe volte una foto semplicemente e ricostituiamo a parte di questa foto. Dunque è difficile che o ero in Trento e si perde. Le propos de Paul, mon cousin, fait écho à mes propres interrogations. Quelle part du vrai s'est déjà perdue dans le tamis de la transmission? Quels sont les choix déjà opérés? Que disent-ils de ceux qui lèguent, du moment où ils le font? Des questions qui reviennent, me taraudent. ce qui n'est pas fixé dans le cadre m'échappe. Le moment qui précède la prise. Son après. Le hors-champ. Tout ce qui vous fonde. Vos parts d'ombre. Vos secrets. Même si je ne peux m'empêcher de reconstituer un récit, que je risque à tout moment de mener à l'écueil de la surinterprétation, de l'anachronisme même. Fragment de réel pour un récit en tension. Le lieu révélé, friche de la mémoire, refait sens. Ajaccio, ancienne rade militaire en Méditerranée, s'inscrit dans ma géographie familiale. Il s'inscrit dans cette histoire, celle de ces inconnus de ma famille, révélés, l'un après l'autre. Le chemin parcouru m'apparaît alors vertigineux. Ce visage d'enfant, déjà regardé, scruté, Joseph. Je cherche d'autres photos pour retrouver la bouche. La commissure des lèvres. Peut-être cette cicatrice de brûlure sur le côté droit du cou, signalée sur sa fiche matricule. Les yeux. La profondeur de ce regard surtout, qui ne cesse d'interroger. Fulgurance de l'évidence, jusqu'alors contournée. J'ai retrouvé Joseph, enfant. Jeune homme, la main posée sur ton épaule, le regard ailleurs. Sur cette photo, es-tu déjà diplômé de la nouvelle école d'agriculture d'Ajaccio? Fer de lance d'une agriculture moderne, essentielle dans le relèvement économique de l'île. Frein à la course aux emplois, à la carrière militaire. Mais à 20 ans, en septembre 1911, tu t'engages toi aussi, Joseph, dans le 7e régiment d'artillerie à pied. 4 mois après le décès de François, mort de maladie. Cette disparition brutale a-t-elle décidé pour toi? La voie était-elle déjà tracée pour toi, le 3e fils? Tu poses le képi de travers. Tu es le seul à ne pas regarder l'objectif. Contrairement à Étienne, à tes côtés. Je te sens mal à l'aise, gêné. Est-ce seulement le temps de l'instantané? La voilà à la fontaine, sous les escaliers de ta caserne ajaccienne. Tu montes les marches et tu la vois. Elle se tourne, te regarde. Tu remarques son élégance. Tu es frappé par sa beauté, peu commune. Son visage ne te quitte plus. Peut-être est-ce ainsi que vous vous êtes rencontrés. Et il a quand même cadré dans sa photo un angle du miroir. Parce que s'il ne cadre pas le miroir, on ne sait pas que c'est dans une glace, quoi. Là, il y a une belle lumière. Est-ce que c'est le regard de ton grand-père aussi sur un portrait? Il n'a jamais fait ce genre de choses. Hein. comme ça à travers la glace. Donc lui, ce qu'il faisait, c'était des choses très classiques comme ça, de la pose. Ça, c'est vraiment une photo, pour moi, très très spéciale, quoi. Enfin, très... Pour moi, du jamais vu. Hélène, beauté presque slave. Rendue botticellienne par le photographe Ange Tomasi. Je sais de toi, Hélène, que tu es orpheline jeune. Lorsque tu te fiances à Joseph, tu es couturière à Ajaccio. Sur ces photos, entourée de celles qui me demeurent inconnues, je te vois élégante, raffinée, musicienne aussi. Je te devine sensible, souvent grave, comme Joseph. En fait, ici, on ne voit pas, il y a le fond... Le fond était monté sur un rouleau, il se déroulait. Le fond, c'est le jardin anglais, enfin les petites marches. Voilà. Et de temps en temps, un des meubles servait, enfin, comme on dit en photographie et en cinéma, jouait dans la photo, c'est-à-dire était présent, soit un banc, soit un bout d'homme. Enfin, c'est pas le décor principal, hein, mais enfin, de temps en temps, il y a un élément, un bout de meuble. Voilà, même celui-là. Oui. Qu'est-ce que ça dit sur cette volonté, justement, d'être représenté? On est dans une époque où on écrit beaucoup, on envoie des lettres, et on envoie des photos de soi à ses parents et à ses amis. Donc, on a des enfants, on va montrer à des parents qui sont sur le continent ou qui sont ailleurs, alors on envoie les photos. Besoin de représentation, bien sûr, mais de se faire voir et de lien avec la famille. Est-ce à Antoine et Bérénice que vous avez envoyé les photos de vos filles ? Françoise, née en février 1912. Angèle, en novembre 1913. Vos filles, prénommées pour le frère et la sœur d'Étienne, décédés. Cette photo d'Angèle bébé a dû être prise en 1914, peut-être en été, peut-être plus tard. Les rumeurs du monde ont alors déjà... certainement cesser de bruisser. Sommes tous bien pour le moment. Comme j'espère que ma présente te trouvera de même. Rien de nouveau pour notre départ, et espérons que ça se prolonge le plus longtemps possible. À l'occasion du Nouvel An, je viens te souhaiter que le bon Dieu t'accorde tout ce que tu peux désirer toi-même, et qu'à la fin des hostilités, nous puissions tous nous réunir et nous retrouver en parfaite santé. En attendant de tes nouvelles, je t'embrasse bien fort, ton frère dévoué. Joseph. Joseph. Loin des déclarations va-t-en-guerre, patriotiques, exacerbées, tu veux tenir à distance l'échéance, dont les échos disent déjà la brutalité. Tu poses en civil, toi le jeune maréchal des logis de 23 ans. Tu fixes l'objectif cette fois, comme pour retenir l'instant. Paul est au centre, encadré par ses oncles. élève instituteur de 19 ans, dandy élégant, portant les signes d'une vie encore agréable. Toi, Étienne, tu arbores ton uniforme de sous-officier. Tu as 26 ans et le regard déjà porté vers l'ailleurs. Hélène, Maria Cicchina, Pierrine, photographiée dans le même décor en mars 1915. Cette photo vous a-t-elle accompagnée dans le départ ? Je ne sais exactement à quel moment vous avez quitté l'île, en 1915. Peut-être après l'entrée en guerre de l'Italie côté allié, en mai. Ces photos prises à Marseille sont peut-être les premières faites sur le continent avant votre montée sur le front. Vous voilà avec Simon, le cousin germain de Maria Cicchina. Première trace datée, août 1915, envoyée du Creusot. Joseph, c'est dans l'antre du maître des forges, là où surgit l'acier de vos canons, que tu peins les mots de l'amour. Première photo datée, toujours en août, toujours non loin du Creusot. Cela doit rassurer la famille, de vous savoir dans la même batterie, veillant l'un sur l'autre, indissociables, sous les mêmes auspices. Je vous imagine ensemble, vous remémorant les vôtres, partageant dans la langue maternelle une connivence, vos secrets, peut-être vos peurs, resserrant vos liens dans le fracas. Les frères, les frangins, est-ce ainsi que l'on vous désigne? Votre arme, nouvelle nappe sonore, impose une image nouvelle de la guerre, moderne, futuriste. Les hommes réduits à s'accrocher aux flancs du monstre d'acier. Loin des batteries côtières de la Corse, je vous vois, fiers de montrer votre nouvel univers. L'artillerie lourde, sur voie ferrée. L'artillerie, une arme qui acquiert au fil de la guerre qui s'enlise, l'aura de la décision. La deuxième offensive de Champagne, sûrement, votre premier engagement. À 30 km de vous, à Massige, un de vos cousins est tué le 25 septembre. 10 jours plus tard, un autre meurt en Artois. Les neveux de Bérénice et Don Joseph. Tous les deux sous-officiers dans l'infanterie coloniale. Au moment du retour des deux corps en Corse en 1922, l'instituteur ami de la famille rend un hommage éloquent sur l'encadrement patriotique de la société. Et toi, mon pauvre Baptiste, tu as préféré, en suivant l'exemple des lectures patriotiques que je faisais en classe, faire honneur à l'école et mourir pour ta grande mère, la patrie. En offrant ta vie à la France près d'Arras le 6 octobre 1915, tu as légué à ton vieux père et à ta mère qui t'aimaient tant, à tes frères et à tes sœurs, un patrimoine d'honneur et de gloire qu'ils auront à cœur de conserver pieusement, ainsi que les citations élogieuses de tes chefs, la médaille militaire, récompense de ta vaillance et de ta bravoure. au fil d'une discussion avec le cousin de mon père, à qui je racontais que j'allais faire une thèse sur 14-18, il m'a dit « Ah, attends, je vais te montrer quelque chose ». Et il est allé me chercher deux énormes cartons dans lesquels il y avait cette collection. C'était mon grand-père et son frère, qui à l'époque devaient avoir 12 et 14 ans, qui habitaient en Franche-Comté, à Arc-les-Grès, qui allaient tous les samedis acheter le journal sur la place du village et qui le ramenaient dans la famille. C'était aussi un magazine que lisaient les adolescents et les enfants. Enfin, il n'y avait pas de, tabou sur les images qui pouvaient être présentées. Et puis dans des milieux extrêmement populaires, puisque mon arrière-grand-père était un ouvrier du métal. En fait, pendant cette première période, donc d'août 14 jusqu'en gros avril-mai 1915, en fait, il n'y a pas de documents qui viennent du front. Donc toute l'information est tournée vers la guerre, parce que c'est la seule chose que les gens ont en tête, pratiquement. Et en même temps, paradoxe suprême, il n'y a aucun document de guerre réel. Les journalistes sont interdits sur le front. La section officielle photographique de l'armée n'apparaît, n'est ébauchée, élaborée qu'à partir d'avril-mai 1915. Donc ça veut dire que jusque-là, ils n'ont pas de documents réel de guerre. Ce sont des sommes qui sont énormes. Un ouvrier qualifié payait 5 francs par jour. Donc vous voyez bien l'importance de la somme. Et donc les soldats vont réagir très rapidement et envoyer des photos totalement sensationnalistes où ils vont aller chercher ce qui peut leur faire remporter le concours. Et donc là, il y a très clairement une information qui devient exponentielle, en prise sur la violence totale et qui va vraiment révéler à l'arrière, pendant quelques mois de manière totalement crue, qu'on ne montrerait plus aujourd'hui, le vrai visage de la guerre, comme on disait alors. Je deviendrai photographe, avec le temps. Les permis sont rares. Écris-tu au dos de cette photo, peut-être un autoportrait. Des permis délivrés par les officiers, que tu dois obtenir, toi, le sous-officier, avec plus de facilité. Peut-être avez-vous participé à ces concours, Joseph et toi. Artilleurs en retrait des premières lignes, quelle est votre vision de la guerre? Même si la mort n'est pas dans vos clichés, tu sais, Étienne, que le libre arbitre est vain dans la partie qui se joue alors au dehors. Vous montrez votre quotidien, le temps de l'attente, avec ceux qui vous entourent, ceux avec qui vous faites corps. Ces moments où s'insinue le temps d'avant, où l'objet de guerre est détourné par l'habileté de vos mains. Sublimation de l'indicible. Bientôt posée sur les cheminées de ceux qui n'auront rien vu. Alors là, nous avons le Vest Pocket Kodak. Modèle autographique, apparu au début du XXe siècle, tout début du XXe siècle, et bien évidemment Comme son nom l'indique, c'est un appareil portable. De poche. De poche, hein, que vous pouvez trimballer très facilement dans son petit étui. Et voilà comment se présente l'appareil. Ici, on a le soufflet que l'on tire ici, hein, avec ici une sorte de petite béquille pour pouvoir faire des images à la verticale. Là, nous avons le diaphragme pour régler l'ouverture. Hein. Ici, les vitesses, 25e de seconde, 50e de seconde, pause B, c'est-à-dire pause B, le temps de pause a été décidé par l'opérateur. Donc, c'est ce qui fait que parfois, on a des autoportraits. Oui, oui, d'accord. Hein, mais c'était lié en fonction de la sensibilité aussi des pellicules, puisque le format est un format 127. C'est des pellicules qui sont, comme on voit ici, les négatifs sur la table lumineuse, c'est ce format-là, hein, ce format de rouleau-là. Donc, c'est du celluloïde. On a la particularité avec ce principe-là, qui était fabuleux, de pouvoir écrire ici, avec cette petite pointe-là. Permettait d'écrire sur... Carrément sur le négatif. Alors, on pouvait écrire ici la date, le lieu, son nom, par exemple. Puisque si on donnait à développer son film à un officier ou sous-officier qui passait à l'arrière pour pouvoir retrouver ensuite la pellicule, il fallait bien donner le nom ou son régiment. Voilà l'exemple de négatif qui a été identifié avec le système de l'autographe. Mars 1916, toujours en Champagne, plus au sud. Vous voilà dans le secteur de Gigny-Brandovillers, que tu désignes plus tard, Étienne, au dos des photos, comme le bon temps. Vous prenez le temps d'une pause étudiée. Accessoirisée. De photos mises en scène, soucieuses du détail, pour ceux auxquels elles sont adressées. Des mises en scène dont le sens m'échappe parfois. Le 25 mars 16, par une journée de beau soleil de printemps, profitons pour faire un repas dehors. Baiser, Étienne. La guerre ne s'efface pas dans le temps de l'attente. Apprentie sorcière qui ne cesse de concevoir la multiplicité de la destruction. De la plus assourdissante à celle qui happe, sans bruit, l'insidieuse. Joseph au milieu. À sa droite, Henri. Tous les trois, avec le masque contre les gaz asphyxiants. Toi, Joseph, tu joues avec l'image. Il est vrai qu'on est en plein carnaval. J'espère que vous arriverez à me connaître. Simple expression comique ou lucidité douloureuse. Ce sont des témoignages très intéressants. Hein. Là, on a un tirage par contact, pratiquement, tu vois. C'est ce que faisait... Cette photographie-là, on peut dire qu'elle a été faite sur le front, elle a été tirée sur le front. C'est un contact. Parce qu'il ne pouvait pas vraiment agrandir, donc il contactait avec le petit système d'agrandisseur, donc ça a été fait sur place. Ça. Et on voit très bien la finesse du papier, là, qui n'a rien à voir avec ce papier-là, qui est beaucoup plus épais, qui est destiné plus à la conservation, à l'encadrement et au partage en famille. Là, on a vraiment une petite preuve. Hein. D'ailleurs, ces images-là, elles servaient souvent dans les petits albums que faisaient les officiers et sous-officiers. Par la suite. Par la suite. Hein. Ça leur servait un petit peu de journal, hein. Et puis, il y a aussi un souci de se photographier et de transmettre, hein, à tel point que, par exemple, cette image-là, qui est fabuleuse, là, ce portrait-là est extraordinaire. Hein. Extraordinaire, il est d'une modernité. On a l'impression que la personne va vous parler, elle est près d'un feu, on est dans son intimité, on est dans presque, on partage ses pensées, il y a un cadrage extra. Puis le rapport au temps avec la montre qui est présentée, les mains avec les doigts entrecroisés, et le fait que ce soit une image fixe, ça nous permet de prendre le temps. Voilà, on prend le temps de regarder, de voir et de penser. On est presque dans son temps à lui, là. On est dans son temps à lui complètement, hein, complètement, hein, complètement, parce que elle est presque sonore, cette image. Moi, j'entends le son, là. Le réchaud, j'imagine qu'à l'extérieur, il y a des mouvements de troupes, j'imagine qu'il y a des bruits de rails, on a l'impression que c'est un wagon, hein, que c'est dans un wagon. Et donc, on témoigne, évidemment, ce moment fort, hein, voilà, que l'on partage, puisque la photographie, ensuite, son rôle, c'est aussi d'être transmise, d'être partagée, de voyager et d'être manipulée par différentes personnes. Et du coup, celui qui a touché cette photo, ses descendants la touchent aussi, et donc, quelque part, ils sont en contact, quoi. Mmh. Fragment d'écorce, une mince feuille de bois sur laquelle s'alignent des mots dont le sens s'est brisé. Fragile lien. Le laiton, l'acier des balles devenu stylo, comme une conjuration du dessin de la guerre. Cette guerre scande son temps. 14, 15, 16. Un temps qui s'ancre dans le quotidien des femmes. Bérénice, Maria Cicchina, Hélène. Une attente, nourrie d'images contournant la censure, délivrée par les soldats photographes. La rédaction semble en fait se rendre compte qu'elle ne peut pas alimenter chaque semaine le lectorat avec des photos absolument terrifiantes qui transgressent des tabous visuels, non dits encore, mais qui sont la représentation du cadavre, dans tout un tas de positions humiliantes, la représentation du corps du français par exemple. Bon. Du coup, ils vont en fait aller sur une vitesse de croisière plus sobre. Le troisième temps de cette construction culturelle et visuelle de l'héroïsme du soldat, c'est donc celui qui intervient en 1916, où on va progressivement découvrir toutes les souffrances quotidiennes du soldat, non plus à travers seulement les images de cadavres terrifiantes qu'on a vues en 1915, mais à travers un certain nombre d'images qui vont prendre le relais, et qui sont des images de la guerre elle-même. Donc il y a tout d'abord le paysage dévasté. Donc le paysage dévasté vient représenter en quelque sorte la destruction extrême. Donc il relaie la mort terrifiante qu'on a vue quelques mois auparavant. Et donc là, on a deux types de paysages en 1916. On va voir le paysage apocalyptique de Verdun, qui dans le miroir, hein, là je parle du miroir, est représenté sous forme de paysage, de plans larges, dont l'humain est totalement absent. d'une part, représenté d'un point de vue visuel par des successions de trous d'obus avec des successions de troncs calcinés. Hein, ce seraient les deux paradigmes finalement de cette bataille de Verdun. Et puis le deuxième temps interviendrait avec la bataille de la Somme, où on a cette fois-ci des plans rapprochés, avec non plus quelque chose de très régulier, de très esthétique, des trous, des troncs, mais avec des branchages en tous sens, de la craie dans tous les endroits, des restes de l'armée en déplacement, voire des restes de corps, hein, qui assimilent finalement le champ de bataille à une espèce de dépotoir, hein, je parle de champ de bataille poubelle, et puis donc en même temps, dès 1916, des photographies de soldats qui viennent raconter la souffrance quotidienne et qui viennent ancrer finalement l'image du héros dans une souffrance, hein, plus que dans un allant énergique combattant et combatif. Le héros du quotidien. Voilà, un héros du quotidien, finalement, qui tient plus dans la tranchée, pour reprendre l'affiche de Jean Droit, qui est une très belle affiche, où on voit un soldat dans une tranchée pleine de boue, et puis éclairé par l'aurore, debout, dans la tranchée. C'est tout. C'est ça le soldat de 14-18. Il est debout et il attend que l'autre arrive, mais peut-être qu'il ne va pas arriver, mais en tout cas il est là, et il ne bouge pas. Et ça, je crois que c'est vraiment la définition du soldat français à partir de 1916, et qui est donc finalement le troisième type de représentation qui va caractériser la guerre de 14-18. On évoque la souffrance du soldat et son humanité dans la guerre industrielle et dans l'horreur. Sur ta fiche, dans le dossier « Mort pour la France », sur le site « Mémoire des hommes », il est écrit que tu es mort par étouffement des suites d'une maladie contractée en service. Peut-être enseveli par un bombardement ou pris par les gaz. N'as-tu pas eu le temps de te travestir, une dernière fois, pour jouer la suite de cette scène absurde ? Joseph, tu as 25 ans. Est-ce toi l'auteur de la dernière photo, Étienne? L'image ultime, le deuil possible. Te voilà à présent, seul, face à cette guerre, avec le sentiment peut-être de ne pas avoir pu ou su protéger ton cadet, ce frère alter ego. Sûrement démunie, simple ombre portée face à la mort. Septième régiment d'artillerie à pied. Le chef du bureau spécial de comptabilité à monsieur le maire de la commune d'Olivèze, Corse. J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien, avec tous les ménagements nécessaires dans les circonstances, prévenir monsieur Léandry Antoine de la mort du maréchal des logis, Léandry Joseph Thomas, décédé le 23 mai 1916 à Somme-Sous, Marne. Je vous serai très obligé de présenter à la famille les condoléances de monsieur le ministre de la Guerre et de me faire connaître la date de laquelle votre mission aura été terminée. Nice, le chef du bureau spécial de comptabilité. Comptabilité de la mort qui s'égrène. À Olivèze, Joseph, tu es le 21e mort de la guerre. 19 ont disparu entre août 1914 et mai 1915. 2 morts par mois. L'image est nappée de blanc, puis le noir se révèle, indélébile. La guerre, elle, s'emporte dans les méandres des fleuves. Te voici à présent, Étienne, dans la Somme, dans le 3e régiment d'artillerie à pied. Tu montres alors tes débuts au 270. Juin 1916. Bois de Warville. Mise en batterie de la plateforme du 270. Mise en batterie du châssis de 270. Mise en place de la pièce sur l'affût canon de 270. Tu portes ton deuil dans un temps sans recueillement, un temps qui s'accélère. Arrivage d'obus et transport à l'abri. Tes images disent la course à la puissance de feu, l'industrialisation de la mort. Ce ne sont pas des pruneaux ordinaires. Est-ce de la dérision dans tes propos, ou la fierté de montrer la puissance, toujours plus grande, de ton arme ? Du 24 juin au 1er juillet 1916, tu participes à la préparation d'artillerie qui précède la bataille de la Somme. Offensive conjointe française et britannique qui se veut décisive. Toi, l'artilleur, instrument de cette guerre moderne, tu es au cœur de la mort qui déferle. En arrière des premières lignes, tu relais à distance l'ordre de la mort anonyme. Tu la scènes, une toute-puissance. Y penses-tu, parfois ? « 2 juillet 1916, Bois de Warville. Mortier de 270 en batterie. Un obus de 150 boches éclate dans la poutre en avant de la deuxième pièce. 200 obus environ nous ont été envoyés par les boches le même jour. » Aucun blessé. Ce jour-là, tu photographies Guéguen et Lepage à l'harmonium, à côté de leur cagna. La musique, illusion de l'évasion. Conjuration de la mort qui rôde. Fleur dans l'abîme. Beaucoup de choses manquaient et c'était surtout la peur. Quand les femmes travaillaient au champ et qu'elles entendaient, c'était la peur. La peur qu'ils arrivent, comme elles disaient, qu'ils arrivent. Le village a été évacué. Et ma grand-mère, par exemple, est partie, en emmenant ma mère, qui avait quelques mois, elle est partie dans la région nantaise. Pour y travailler. Et pour y travailler, puisque les obus étaient faits par les femmes, les usines étaient tenues, enfin pas tenues, mais les chaînes étaient faites par des femmes. Et elle a travaillé dans une usine, oui, elle ajustait, enfin elle avait un diplôme d'ajusteur sur ces machines, sur ces chaînes d'obus. Est-ce que dans le village, justement, il existe encore une mémoire de la Première Guerre mondiale? Peut-être pas énormément, mais des choses qui ont marqué. Et nous, les commentaires que nous avons eus viennent de nos parents ou nos grands-parents, qui étaient petits à l'époque de la guerre 14-18 et qui ont été marqués par ce qu'ils ont vu. C'est vrai que pendant des années, nous n'avions pas la télévision, Internet et autres. Donc le soir, c'était souvent ces choses-là qui se disaient. En regardant les photos de ceux qui étaient partis et qui étaient morts, les trois quarts. On nous parlait que suivant le vent, suivant la portée du vent, on entendait des hurlements à 4-5 km parce que les gens étaient dopés pour se tuer ou pour tuer les autres. Alors dopé, c'était, je pense que c'était l'alcool, c'était des choses qui les mettaient hors d'eux, qui leur permettaient de se surpasser, mais c'est des réalités, quoi, je pense. Ouais. Moi, les souvenirs que j'en ai ont été transmis par ma grand-mère, essentiellement. Les hommes étant partis, ce sont les femmes qui assuraient le quotidien. Par ma grand-mère qui me disait, c'est une réflexion que j'ai eue et autres, il me disait lorsqu'on était au jardin, puisqu'on cultivait beaucoup, c'était le moyen de subsistance à l'époque, quand je lui disais ben, ça pousse bien, ça va bien, etc. Et elle me disait mais c'est pas étonnant, c'est gorgé de sang de nos hommes. Comment oublier que je suis en santerre? Sanatera pour les uns, sanguinistera pour les autres. Une terre de bataille depuis longtemps abreuvée de sang. Une terre qui ne semble pas repue en 1916. Étienne, dans le bois de Warville, tu entends toi aussi sûrement les cris des hommes dans le No Man's Land. Ici, dans ce que tu désignes comme l'allée aux marmites, tu continues à montrer ta guerre. Tu la notes au crayon de papier violet pour Maria Cicchina. En train de lire le journal, tu verras à ma gauche l'entrée de Macagna. Tu lui permets d'approcher cette intimité, cet univers masculin. Clos, que tu partages avec des inconnus. Dans Macagna, à 6 mètres sous terre, Guéguen et moi, dans nos plumards. Plumards, pruneaux, marmites, ris-tu de ces mots Maria Cicchina, de cette langue imagée, langue de la connivence qui t'est inconnue, détournant le sens de ce qu'elle désigne, cette langue de la mise à distance. Tes photos, Étienne, plus nombreuses à Warville, m'amènent à découvrir la bataille de la Somme. Au nord, sa mémoire si vivace dans la mémoire collective britannique, australienne, néo-zélandaise, canadienne. Ici, pour moi, la guerre mondiale s'incarne. Sa violence meurtrière aussi. Beaumont-Hamel, le 1er juillet, premier jour de la bataille, 86% des hommes du régiment de Terre-Neuve, jeunes insulaires ayant franchi l'océan, sont mis hors de combat, morts, blessés, disparus, en 30 minutes. Nombre d'entre eux au pied de cet arbre, demeuré depuis l'arbre du danger. moins de 5 mois de bataille, une avancée territoriale dérisoire, près d'1 200 000 morts, blessés, disparus, toutes armées confondues. Le mur des disparus du musée de Thiepval dévoile la multitude des singularités brisées. Autres familles, autres histoires à raconter. Au sud de la Somme, sur le front français, les traces sont plus rares. Dans la mémoire collective française, Verdun a effacé la Somme. C'est encore la photographie. Cette photographie présente dans l'intimité des familles, qui me révèle d'autres vécus de guerre. Et lorsque je regarde ça, j'ai pas l'impression de regarder un truc exotique. C'est quand même ma maison, ma famille, au milieu d'une tourmente. Et pour vous situer les choses, on était le premier village habité derrière le front. Et donc mon grand-père avait mis la maison ici pour moitié à disposition de l'armée. Donc c'était un mélange d'hôpitaux de campagne selon les périodes et de logements d'état-major, état-major de corps d'armée selon les moments. Donc la famille était là, et à l'époque, elle se constituait de mes grands-parents, de mon père qui était un petit garçon, mais aussi de trois jeunes filles, et qui aimaient beaucoup la photo, et chacune avait son appareil et faisait son album. Donc ces albums sont un mélange de photos qu'elles ont prises elles-mêmes, de photos que leur ont données les soldats, les officiers qui revenaient du front. On a eu une journée importante avec le roi des Belges, le président de la République et Joffre. Et donc, le journaliste était là, fait pris beaucoup de photos, et donc on a aussi ces photos-là. Donc voilà les trois sources de ces trois albums, et chacune étant l'album d'une jeune fille. Les photos très originales qui étaient faites par mes tantes, où pendant le déjeuner, elles ont récupéré les couvre-chefs de ces messieurs, c'est-à-dire la casquette du roi Albert, celle du président Poincaré, le képi de Joffre et le chapeau du ministre de la Guerre, Alexandre Millerand. Et elles les ont alignés sur un porte-manteau et flanqués de deux chasseurs à cheval, baïonnettes au canon. Et elles ont pris cette photo qui est quand même assez drôle et qui montre que ces jeunes filles, dans ces périodes-là, gardaient un esprit assez espiègle. Quand vous regardez tout ce qui se passe en Syrie, en Irak, effectivement, on voit à quel point des populations peuvent sombrer dans l'horreur. Et on avait un peu oublié ce genre de choses. Et puis, mais quand on regarde ça, c'est quand même terrible. Tous ces gens qui ont perdu la vie, les souffrances des familles, la destruction du pays, bon, tout ça, c'est quand même à la fois très loin et très proche. Donc, quand on connaît les endroits, quand on connaît les gens, ça a toujours une réalité. Mais oui, par ces photos, on la voit dans une période qui était quand même très, très particulière. Et là, vous arrivez à Beaufort. Déjà, sur les trois photos, il y a une que je ne connaissais pas. C'est celle qui touche l'église. En fait, on nous a toujours dit, dans la famille, qu'à l'occasion de ce bombardement, les obus avaient été lancés de façon très méthodique sur la propriété. Ce qui a fait qu'il y a eu une destruction totale de la propriété, tout en épargnant l'église. Et en fait, en voyant cette photo que vous me présentez aujourd'hui, en fait, elle me montre que cette partie de cette histoire en fait, a été soit un petit peu erronée ou oubliée, parce que effectivement, le bombardement avait été extrêmement violent sur le château, la propriété familiale, et qu'on avait peut-être un petit peu délaissé le ou les obus qui seraient tombés sur l'église. Nous avons la chance, grâce à notre oncle, le frère aîné de notre père, d'avoir des écrits de sa part, nous permettant de relater effectivement cette époque de 1916 du bombardement de Beaufort. À l'époque, il était très jeune, parce qu'il avait autour de 5 ans. En fait, il relate ce que ses parents lui ont expliqué. Et donc pendant 2 heures et demie, d'accord, à raison de 2 obus à la minute. Le tir était si précis que plus de la moitié des projectiles tombèrent sur la maison elle-même. Ma mère se trouvait dans la cave à ce moment-là et eut 2 téléphonistes tués à quelques mètres d'elle avec des éclats d'obus. Le général français qui donc demeurait au château, en prenant possession du château, donc, avait d'ailleurs averti cyniquement donc mes grands-parents que jusqu'alors, jamais une maison qu'occupait son état-major n'avait tenu plus de 15 jours. Le 10e, il ne restait plus rien, car l'incendie avait achevé l'œuvre commencée par le bombardement. À 2 kilomètres du château de Beaufort, photographié par tes soins, Étienne, le bois de Warville. « 6 août 1916. À 16 mètres de Macagna, c'est là où nous lisions la messe. Au moment où nous allions commencer, le bombardement commença. Et toute la journée, il est gros, journée à ne pas oublier. 300 obus dans la même journée. 3 hommes enterrés dans leurs abris. Nous avons pu les sortir. Chaque trou fait 25 mètres de circonférence. Ce n'était pas rigolo. Beaucoup de veines. « 23 août. Le pilote venant s'abriter chez nous. Avion français abattu à 100 mètres du bois. Bimoteur abattu près de notre batterie. À droite de l'avion, entre l'arbre et ce dernier, un éclatement de marmite. À gauche du moulin, une saucisse en l'air. » Tu montres encore à ceux restés en Corse, à Maria Cicchina qui n'a jamais quitté l'île, les éléments du monde moderne qui t'entourent, l'extraordinaire. Étienne, tu quittes la Somme en novembre 1916 pour la Belgique, l'extrême nord du front, les dunes de Oost-Dunkerque. Tes photos sont plus rares. Peut-être n'ont-elles pas toutes franchi les vicissitudes du temps. Elles disent toujours la concomitance de la vie et de la mort, le danger. Novembre 1916, Nieuport, l'église. 1917, Rubigny. Bombardement par avion du 5 septembre. Wagon déchiqueté par les bombes. Un régiment, le 96e RI embarqué. 16 hommes tués, 48 chevaux. Reçois-tu ces photos, Maria Cicchina? Que ressens-tu alors? Étienne a-t-il besoin de penser dans sa solitude que quelqu'un a vraiment peur pour lui? Te rassure-t-il finalement, en montrant qu'il échappe encore au déluge de feu et d'acier? Tu graves sur les obus les lieux de ta guerre, comme la guerre grave en toi ces instantanés de la destruction, les derniers à Révigny, dans la Meuse. Enterrement de notre colonel, mai 1918. Étienne, c'est la dernière photo datée de ta guerre à m'être parvenue. On a voulu ne garder que le... comment s'appelle-t-il? Joseph. Joseph. Et on a détouré, c'est-à-dire on a enlevé les deux autres personnages, voilà, pour qu'il n'y ait plus que lui sur la photo. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec des logiciels comme Photoshop, on fait ça beaucoup mieux que ça. Et... mais enfin, avant, on grattait, hein, avec une... on a redessiné l'épaulette, puisqu'il y avait la main d'un militaire qui est posée sur... Voilà. Et comment on travaille justement sur négatif pour détourer et extraire un personnage? On travaille surtout avec une espèce de gouache, avec un pinceau. Et puis on peut gratter aussi l'émulsion. L'émulsion se gratte et ça la rend un peu plus transparente. Là, elle a été grattée apparemment. Et ensuite, il a redessiné l'épaulette et il a fait un tirage où le rapport d'agrandissement est un peu plus important. C'est-à-dire que le militaire central, il est plus gros dans la photo, puisqu'il n'y a plus les deux autres. Parce qu'on a vraiment voulu le garder, lui, pour des raisons que je crois connaître. Ouais, il est mort à la guerre. Il est mort à la guerre, voilà. Joseph, ta famille a voulu que tu demeures dans la mémoire. Pour elle, pour ceux qui ne te connaissaient pas, ceux qui ne te connaîtraient jamais. Figé dans cette pose de studio. Seul. Jeune sous-officier d'artillerie de 25 ans. Votre cousin Germain de Keyre, Pierre Toussaint, peut-être ce petit garçon, photographié par Don Joseph, disparaît au chemin des Dames en 1917, à l'âge de 20 ans. Son corps n'est pas retrouvé. En 1917, toujours, Simon, le cousin germain de Maria Cicchina, photographié avec vous, est tué à 27 ans à Louvemont, près de Verdun. Son autre cousin, Noël, à la boucle de la Tserna, en Macédoine. Il a 22 ans. je regarde les photos de Marcel Fortigne. Son travail de mémoire sur les monuments aux morts de l'île. Ces monuments incisent dans le paysage contemporain. J'y vois le deuil collectif, près de 12 000 morts, le sang versé et les mémoires concurrentes qui s'en emparent. Étienne, je ne retrouve plus dans ton regard la pointe de malice. Quelles sont les images qui te hantent alors? Vous voici côte à côte, portant le deuil, le temps d'une permission. Ensemble. Tant de répit dans l'attente inquiète du retour espéré. Maria Cicchina, tu poses digne avec Angèle et Françoise. Françoise, qui te serre avec force le doigt. Je ne peux m'empêcher de penser que cela prend sens, que tu es en effet le rempart le plus sûr pour tes filles. Dans la tragédie, leur ultime havre de paix. Toi, mue par l'angoisse de la nouvelle, pour Étienne, mais aussi pour André, ton frère, incorporé en 1915. André évacué pour pieds gelés en 1917, gazé, prisonnier en 1918, André évadé. Inquiète aussi pour ses cousins avec lesquels vous avez tous les deux grandi. L'un prisonnier depuis 1914, l'autre déserteur depuis 1916. Mais tous reviennent. Paul aussi, le neveu d'Étienne. Paul qui a combattu dans la Somme, Paul blessé. Étienne. Mais toi, Maria Cicchina, tu n'es plus là. Toi qu'Étienne, côtoyant la mort tous les jours, pense à l'abri. Tu es emporté par un fléau qui fera dans le monde bien plus de morts que sa guerre. Tu meurs le 7 octobre 1918 à 26 ans de la grippe espagnole qui touche la Corse avec virulence à la fin juillet. Ton fils, Joseph Thomas, âgé d'1 mois, ne te survit pas. Angèle, ta fille, ma grand-mère, m'a raconté qu'à son retour, Étienne s'est traîné jusqu'à ta tombe à genoux, un bouquet de lys blanc dans les bras, expiant peut-être la faute d'être vivant sans toi. À Olivèze, la moitié des 28 décès de 1918 a lieu du 19 septembre au 30 octobre, au plus fort de l'épidémie. La moyenne d'âge des disparus est de 19 ans. Nouvelle onde de choc pour cette communauté des gens endeuillés par la guerre, définitivement fragilisés face à l'exode, l'exil, dans cette après-guerre qui s'annonce. Angèle sera parfois désignée dans le village, comme à Vido l'a dit Cicchine, la fille de Françoise, stigmate de son malheur. Ceux qui restent, désemparés, unissent leur malheur. Vital défi à leur monde dévasté. Vous auriez pu demeurer dans une boîte fermée, inconnu d'un temps qui s'efface, visage livré à l'indifférence, à l'oubli. Les histoires d'Angèle vous ont révélé dès l'enfance, habitant les interstices de ma mémoire, entrant dans ma chair, me rendant inéluctable, indispensable la mise en récit. Ne laissant pas de répit au présent, vos vies, infimes fragments de l'histoire, sont devenus fragments de mon histoire, une part de moi-même.